Hey, bonjour à tous, c'est Sam pour Pay Play, Play. j'espère que vous allez tous très très bien Seconde partie pour la partie de Alliance Another Glorious Day in the Corps, la première mission, où on va donc devoir essayer de retrouver Newt, et où on a déjà retrouvé Newt, rappelez-vous Et donc ici, on va clôturer la partie, on va clôturer les derniers tours, donc ce sera le tour 4, 5, 6 et 7 ça a quand même duré une heure, donc on voit que les parties sont quand même assez conséquentes. Ne vous attendez en tout cas pas à ce que les marines se dépensent le PIB des USA en munitions pour tenter d'éliminer l'intégralité des xénomorphes sur LV426. Ne vous attendez pas à ce que ce soit un génocide brutal et violent. J'ai refait la partie plusieurs fois et je pense que arrivé à ce stade, le moyen le plus simple est de fuir. Et on va voir que ça va être tout juste en utilisant cette stratégie. Mais bon, toujours est-il que cela fonctionne. Petite chose à savoir, c'est que tout a été tourné en une pièce, donc la partie que vous avez déjà vue, plus cette partie-ci, a été tournée... Intégralement en une seule pièce d'une traite. Je pense que j'en avais à peu près pour 4 h et demie voire 5 heures de rush à traiter. Donc, j'en ai eu à peu près pour une après-midi complète à jouer la partie, à gérer les quatre personnages. Et forcément, au bout d'un moment, eh bien, on en vient à commettre des petites erreurs. Vous avez l'habitude sur Pug and Play. Je ferai des petits arrêts. Je pense qu'il y en a six en tout et pour tout. Il y en a un qui est totalement optionnel. Vous comprendrez pourquoi quand vous le verrez, comme d'habitude, ces petits arrêts c'est simplement pour vous signaler les grosses bêtises que j'ai pu faire dans la partie. Ça n'influence pas de manière grave la partie, c'est pas ça qui aurait pu empêcher la partie de se dérouler normalement, mais simplement je les ai vus au montage, donc je les signale. Voilà, et eh bien j'espère que vous apprécierez tout de même la partie qui va commencer tout de suite et donc on va commencer maintenant avec le round numéro 4. On commence donc avec Hudson pourquoi Parce que il a ici la carte de hasard. J'ai envie de m'en débarrasser le plus vite possible. Et puis il est ici. Donc éventuellement il peut essayer de virer les aliens. Il y a une autre raison à ça, c'est que je dois potentiellement exhauster des cartes avec le losing hope, donc avec la carte de hasard. Je dois éventuellement exhauster des cartes. Et donc je pourrais utiliser les grunts pour tenter de virer les cartes que je viens d'exhauster. Éventuellement peut-être Gorman. Il peut servir qu'à ça. Ou éventuellement Frost, Frost c'est encore à voir, parce que Frost j'ai une autre idée avec lui, et simplement l'idée c'est de courir, mais pour ça il faut que Newt puisse également sortir de là, mais ça elle peut le faire, et donc Ripley va tenter ici de s'en sortir avec l'alien tout simplement. On va donc commencer ici par activer Hudson, alors Hudson, donc le aim c'est bon, la carte de hasard nous demande quoi Nous demande de tirer une carte, et c'est nickel, c'est une arme. Alors pourquoi c'est nickel Parce que la carte ici nous dit de discarder deux cartes, et mélanger cette carte-ci dans la pile d'exhaust. Mais au moins je ne l'ai plus dans les pattes. Et voilà donc la première pause, la première interruption comme prévu. Et donc vous l'avez remarqué ici, je n'ai pas discardé de cartes, mais j'ai bel et bien exhausté de cartes, ce qui n'est absolument pas la même chose. Et je vous rappelle que les cartes qui sont normalement discardées ne sont pas réutilisées de mission en mission lorsqu'on joue en campagne chaque joueur peut récupérer une des cartes qui se trouve dans la défausse qui se trouve dans la pile de discard et donc il va s'agir pendant les parties d'essayer de discarder le moins possible ici donc je me suis trompé pile d'exhaust à la place de la pile de discard pour deux cartes donc ça c'est très bien je la mélange dans la pile d'exhaust voilà qui est fait qui n'est pas très grosse je dois bien avouer. Donc ceci vient ici. Donc ça c'était la carte. Euh, donc le aim ici c'est bon. On activation. Je peux recycler des cartes. Je vais pas recycler les cartes. Le flair ici je le garde. Pourquoi Parce qu'il y a certaines cartes qui nous demandent justement de discarder des flairs pour éviter les effets euh, trop... trop forts j'ai envie de dire. Donc équiper des cartes d'endurance. Non, deux actions. Bien entendu deux actions. Donc Hudson se trouve... Ici, on est bien d'accord et Hudson va attaquer. Hudson va attaquer, donc on va utiliser ici la M41. Ops, on fait ceci, on lance un dé. C'est un 7 c'est un 3, donc c'est une réussite. Je vais faire ça tout de suite, sinon je vais oublier. Ça c'est vraiment le style de truc que j'oublie mais tout le temps. Donc c'est une horreur, on verra bien au montage si j'en ai oublié beaucoup ou pas et forcément, je passe directement en full auto. Je vais lancer mon dé. Donc je dois faire 6 moins, c'est un 10, c'est raté. Donc je vais utiliser ma deuxième action pour tenter d'éliminer l'alien qui se trouve au bout du couloir. Mais je dois faire un 5 moins cette fois-ci. C'est un 3. Donc, cet alien-ci est éliminé tout simplement. Deuxième petite pause pour vous signaler ici que j'ai passé mon temps à diminuer l'aim dial de X et pas celui de Hudson. Donc, je me suis trompé. J'ai utilisé l'aim dial de X, mais vous aurez compris comment fonctionne le jeu et vous aurez compris aussi que ça ne changera absolument rien. Tout ce que j'y ai gagné, c'est que j'ai été avantagé avec un plus un lors du premier lancé, étant donné que le aim dial était à 7 initialement et non pas à 6. Comme celui de Hudson. Vous aurez aussi très certainement remarqué que j'ai oublié de diminuer le dial pour le tout dernier tir. J'ai utilisé mes deux actions, End of Activation, je dois révéler une carte, c'est un événement, l'événement, donc on me dit que je peux le garder en main, et l'événement ici me permet, donc je dois tirer une carte, ça me coûte deux cartes, je dois tirer une carte, et soit j'ai une aim action pour tout le monde, soit je peux me déplacer de deux cases dans n'importe quelle direction. Tous les Marines, soit tous les Marines tirent une carte d'endurance. Je vais activer les Grunts et je vais activer euh, Frost. Alors Frost va se déplacer simplement. Donc Aim c'est bon, on passe directement au déplacement. Donc en deux actions, une, deux, trois, quatre. Il va commencer à se replier et Frost va également prendre sa deuxième action pour faire une, deux, trois du recyclage. Frost a fini de jouer, Hudson a fini de jouer également, et donc on va activer euh, Replay. Replay, le aim c'est bon, on-activation, je recycle deux cartes, et j'en tire une. Alors c'est une lampe ici, ça me permet... Ça me permet de manipuler un petit peu le motion tricker. Et donc ça me permet simplement de regarder au-dessus du motion tricker. Et éventuellement, si j'exhauste la carte, je peux replacer la carte du motion tricker en bas de la pile, tout simplement. Donc ça, c'est pas mal du tout. On activation c'est fait, équiper des cartes d'endurance. Eh bien j'équiperai bien ici mon... J'équiperai bien justement ceci pour l'avoir déquipé. Ça me coûte une carte. Oups voilà qui est fait. Et maintenant je suis embêté pour mettre tout mon bazar. Voilà. On va faire les deux actions. Donc replay se trouve ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aurais dû activer Newt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De toute façon, ça revient au même. Que je passe d'un côté ou l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. 5, donc elle, elle va être à côté, enfin la pile ici va être à côté, et je devrais réagir à leurs attaques. Ou alors je me mets ici, ou le plus loin possible, 1, 2, 3, 4, 5, le plus loin possible c'est ici. Non, je vais faire ceci. 1, 2, 3, 4, 5, et je vais attaquer, je vais attaquer les aliens. Attaquer les aliens, donc forcément, ici, je dois défausser une carte, je dois faire 7 moins pour toucher. C'est un 4, donc c'est nickel, je touche. Donc on est à 6. Voilà, donc on va retirer ici un petit token. Ops, voilà. Je vais forcément passer en full auto, je ne vais pas me gêner. Je vais lancer un dé. C'est un 4. Donc je touche. Je vais lancer un dé de nouveau. Cet indice, donc ici, moi, j'ai loupé mon coup. Ce qui signifie quoi Ce qui signifie simplement que ma deuxième action est terminée et que les aliens ici vont tenter de m'attaquer. End of activation, il n'y a pas. Activer les grunts forcément il n'y a pas. Et donc on va passer le token d'activation. On passe le token à Vasquez. Vasquez, on va tout d'abord ici, ops, remettre la petite roulette sur le 8. Voilà, on activation, on doit révéler une carte. C'est une arme, ça veut dire qu'on va passer à 9. Et ça, ça va ici, ça passe à 9. Équipement forcément non. Les deux actions forcément oui. Et je crois que je vais me déplacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais me déplacer ici. Je me déplace ici. Pourquoi Parce que j'ai une ligne de vue sur le point de spawn ici. Et j'ai une ligne de vue sur le point de spawn ici. Activer les grunts forcément. Je vais activer les grunts. Je vais activer Gorman. Gorman qui est ici. Et Gorman forcément va tirer. Gorman, on voit qu'il a... C'est un 4. Donc, soit il arrive à l'avoir, soit j'abandonne parce que ça sert à rien de passer en full auto. C'est un 4, c'est nickel. C'est un 4, donc j'arrive à éliminer celui qui se trouve ici. Ça, je dois le passer à 3. Voilà qui est fait. Gorman a joué. Vasquez va passer son token à X. Troisième petite interruption. Interruption, pourquoi cette fois-ci Eh bien, vous aurez remarqué que Gorman n'a fait qu'une de ces deux actions. Étant donné que tout cela n'est pas interdit par les règles et que je peux très bien choisir un Marines et lui faire faire absolument aucune action, je vais faire une petite interruption ici pour vous le signaler mais ce sera la seule et unique fois. Les prochaines fois où j'oublierai des actions de Marines et vous allez voir que ça va encore arriver, eh bien je le signalerai simplement avec un petit texte. En tout cas, c'est un petit peu bête parce que Gorman aurait pu simplement utiliser sa seconde action pour faire une action de recyclage et donc me permettre d'avoir des cartes supplémentaires dans mon deck d'endurance. Et je crois que la seule chose que X va faire, donc euh, ici 5, 6, 7. En activation, je peux tirer une carte. Je ne vais pas le faire. Je vais m'abstenir et je vais juste prendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais juste prendre deux actions de repos. Voilà qui est fait. X a terminé son tour. Étant donné que c'est Hudson qui avait commencé, le tour des Marines forcément est terminé. Vous vous en doutez, donc on va activer tout d'abord les aliens. On va activer l'alien qui est ici, donc Ripley va se faire attaquer. Il est déjà à bonne distance, il ne va pas bouger. Il est déjà adjacent, donc... Il va attaquer Ripley. Malheureusement, Ripley ne peut pas avoir de tir de défense. Pourquoi Parce que l'alien n'a pas bougé sur sa case. L'alien est déjà au contact. Donc ici, il va se contenter d'attaquer. J'ai un niveau de défense de 6. Ce qui signifie que je vais lancer mon dé. Je vais lancer un dé de Marines. Si je fais 6 ou moins, alors il n'y a pas de problème. Je suis safe. Si j'arrive à faire 2, je peux éliminer un des aliens. Il y a un petit token en dessous. Pourquoi est-ce que si je fais 2, j'arrive à éliminer un des aliens Parce que je suis en dessous de 6. Donc mon niveau de défense est bon. J'ai réussi mon test de défense. Mais en plus de ça, j'ai la même valeur que la mêlée. Donc j'ai la même valeur que le corps à corps. Ne pas oublier qu'il y a un petit token en dessous. Donc mon test ne va pas se faire sur un 6 mais sur un 5. Pourquoi Parce qu'on va ajouter un à son C'est un 3. 3 plus 1 pour le petit token qu'il est en dessous. Donc j'arrive à passer mon test de défense. On va ensuite activer les blips, il n'y a pas de blip. Et pour finir, on va tirer les cartes de Motion Tracker. Vasquez tire sa carte. Hop, un drone en 1. Donc un drone ici. Éventuellement, soit on défausse un token, soit, soit on défausse une barricade, pardon. Soit, je vais prendre celui-ci. Soit on défausse une barricade, soit il y a un blip en plus. Ici potentiellement ce sont mes deux blips parce que je ne défausserai pas de barricade. Et de toute façon, si la barricade saute ici, ça ne sert à rien. Donc on va tester pour le premier blip. C'est un 5, ça saute, Oops. Et on va devoir spawner, c'est un 5 et c'est un 1. Le 1, ça va, mais le 5 par contre, on va se caser là. Vasquez est là, tout le monde est là en fait. Donc normalement ça devrait aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux déjà courir assez loin. Vasquez est là, Vasquez je peux même la remonter, mais il n'y a même pas besoin parce que je peux bouger Hudson ici, Hudson tire, même pas obligé de le bouger en fait. Par contre il faut que Frost bouge le plus loin possible, ça oui. Donc, ça c'est pour Vasquez. On tire une deuxième carte. C'est pour qui C'est pour X. Donc, en 4, on va avoir deux. Donc, en 4, on va avoir. J'essaye de pas trop les secouer. En 4, on va avoir deux petits blips. Alors, je vais prendre. Non, celui-là et. Mettons. Allez, celui-là. Hop, hop. C'est un 2 et un 1. Donc, ça, ça va. c'est pas encore de trop. J'ai un 1. Et j'ai un, deux. Pour l'instant, ça va. Alors, on me dit ici qu'après avoir placé le blip, je dois déplacer chaque blip en jeu de trois cases. Sauf qu'ici, il n'y a plus de blip en jeu. Il n'y a plus que des aliens. Donc, je ne les déplacerai pas. Alors, ça, c'est pas mal. Donc, c'est deux en 1. En fait le problème c'est que, enfin c'est pas un problème vraiment parce que je peux les retourner, c'est un 2 et un 3. J'allais dire le problème c'est de ne pas les retourner, mais de toute manière comme ils ont une ligne de vue un peu partout, euh, ça pose pas de problème. C'est un 2 et un 3, donc ici j'ai un 2, ça ça va encore, et le 3 ça va encore. Et de toute manière j'aurai un tour complet pour éloigner Newt le plus loin possible, parce qu'elle il faut absolument pas qu'elle y reste. Si elle y reste de toute manière la partie est finie, vous vous en doutez. Mais Newt peut courir. Et Newt, je pense que c'est 5 comme déplacement, donc 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Éventuellement, elle peut déjà aller pas mal loin. Donc ça, c'est fait. On voit qu'il commence à y avoir quelques aliens. Et la dernière carte. Ah, ne pas oublier, il y a ceci. Exhauster 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière carte ici, c'est en 4. Donc c'est ici, on va avoir de nouveau un blip. On me dit également ici que s'il y a déjà un blip ou un alien sur le point de spawn, je dois déplacer ce blip 4 espaces vers le personnage le plus proche. Une, deux, trois, quatre. Ça voudrait dire que je devrais me déplacer ici. Sauf qu'il va spawner, ce sera plus un blip. Donc est-ce qu'on considère que le blip qui va spawner va toujours être un blip ou pas on va considérer que c'est toujours un blip, on va considérer qu'on le déplace ici vers le caractère et on verra celui-là c'est un 1. Donc 1, 2, 3, 4, il est ici, je retourne, c'est un 1. Donc il vient ici. Voilà. Bien. Ok. Ici, je sais vraiment pas si je vais le déplacer ou pas, mais bon, on va considérer que vous ne m'en voudrez pas de toute manière, si. La phase finale, comme d'habitude. Les effets de phase, il n'y en a pas. Victoire ou défaite, toujours pas. Clean-up, toujours pas. On va passer tout de suite à la phase numéro 5. Et on recommence, on recommence donc avec le tour numéro 5, qui va être assez chargé. En tout cas, il va être assez chargé, je pense, pour Vasquez. Pourquoi Parce que vous, vous doutez que Vasquez va tenter ici d'éliminer tout ça. Je n'ai plus de carte d'endurance, donc je vais devoir refaire mon deck dès que j'aurai à l'utiliser. Je vais le refaire maintenant. Donc ici, simplement, on considère qu'on est arrivé sur cette carte-ci. Donc on doit battre les cartes qui sont ici. Et ça nous donne un nouveau deck d'endurance. Vous avez vu comment le système se passe. Il est quasiment impossible de savoir exactement ce qui se trouve dans le deck. Étant donné qu'il y a des cartes qu'on exhauste sans même les regarder. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'on a dans le deck. Moi, ce que je vais faire ici, c'est bien sûr, comme je disais, utiliser Vasquez, mais pour ça, il faudrait que Hudson se bouge. Il faudrait également que Ripley se bouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle peut se bouger jusqu'ici, et ça, ça m'arrange pas du tout pour Vasquez, sauf que Vasquez a une ligne de vue dégagée sur les aliens qui se trouvent ici, et sur celui-là aussi. Pourquoi Parce qu'on prend un coin de sa case. Et on peut tirer une ligne jusqu'à ces aliens-ci. Donc éventuellement, Vasquez peut commencer à dégrossir ici. Je peux passer après Hudson. Je peux ramener Ripley. Euh, il peut y avoir même un petit peu s'il faut de Frost. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Les aliens pourront se déplacer jusqu'ici. Donc si Frost euh, se déplace, c'est bon. Euh, eux ne sauront pas aller plus loin. Sauf que si Ripley revient là. Elle va avoir les aliens sur le dos. On va voir tout ça. On va voir tout ça. Je pense qu'on va commencer donc ici. Voir ce qu'on va pouvoir faire avec Vasquez éventuellement. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. Donc on commence avec Vasquez. On va remettre son Mdayal à 8. On va exhauster une carte et c'est une carte de hasard. Super. Alors, on me dit que je dois révéler des cartes jusqu'à ce qu'on ait une carte d'arme. Ou jusqu'à ce que j'ai révélé 5 cartes. Voilà, Oups, on a une carte d'arme. Je dois discarder les cartes qui ont été révélées. Et s'il y avait eu une carte de hasard dedans, j'aurais dû mettre ceci dans la pile d'exhaust. Il n'y en a pas, donc ceci va aller dans la pile de discard. Malheureusement, cette carte-là... J'avais pas envie qu'elle me tombe dessus, j'aurais préféré avoir une petite carte d'arme pour pouvoir augmenter ici mon petit tracker, mais malheureusement ce ne sera pas le cas. De toute manière, quoi qu'il arrive, ça c'était le aim, ça c'était le on activation. Équiper les cartes d'endurance non, donc je vais faire deux actions. Donc quoi qu'il arrive, maintenant je vais faire mes deux actions et quoi qu'il arrive, vous, vous doutez, je vais utiliser la M56. Je vais utiliser la M56, ça va se passer comment comme d'habitude, on discarde ici deux cartes, enfin on exhauste deux cartes, pardon. Et on doit faire 8 moins avec 2 dés. Alors 5 et 2, donc c'est bon. Oups. Donc je vais pouvoir ici retirer un petit token. Je continue, donc je passe en full auto, je continue. Une carte. 3 et 8, donc c'est bon. Le M-Tracker ici, vous devez le modifier que vous touchiez ou pas. Je vais continuer, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, je dois faire 6 ou moins, c'est 3 et 2, donc c'est nickel. Hop, c'est nickel. Je dois faire 5 ou moins. 5 et 1, donc ça c'est bon. Et maintenant je dois faire 4 ou moins. Alors c'est 6 et 3, donc c'est toujours bon. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter ici parce que là on passe quand même... On arrive quand même à du 3. Je vais m'arrêter, ça sert plus à rien. Et je vais prendre ma deuxième action. Pourquoi Pour faire une action de repos. Je vais faire une action de repos. Une, deux, trois cartes que je vais mettre ici. End of activation, forcément il n'y a pas... Activer les grunts, oui je vais activer les grunts. Et je vais activer Newt. Je vais activer Newt. Je vais activer Newt. Newt peut revenir ici. Il n'est plus dans le chemin. Et de toute façon, eux, ils ont assez à s'occuper ici. 1, 2, 3, 4, 5. Éventuellement, ces deux-là, je pourrais même les reculer. Je pourrais essayer de tirer une fois, voir combien d'aliens je peux essayer d'éliminer. Et puis me reculer. Mais ça, je verrai chaque chose en son temps. Donc je vais activer Newt ici. Newt à une vitesse de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc les aliens ici vont avancer, vont avancer sur cette ligne-là. Pas plus loin. Donc ça, c'est une bonne chose. Newt a été activé, Vasquez a terminé son tour. On passe à X. Le aim, c'est bon. On activation, je peux tirer une carte. Je vais me retenir de tirer une carte. Je vais vraiment me retenir. Équiper des cartes d'endurance, non. Deux actions, bien entendu. Donc X se trouve ici. Je vais tenter d'attaquer les aliens. La M41, hop, on va lancer 7 mois. C'est un 2, donc j'arrive à éliminer un alien. Je vais passer forcément en full auto. Hop, je passe en full auto. Ceci, ça passe à 6, ne pas oublier. Je passe en full auto. 6 moins, c'est un 2, donc c'est bon. Je vais éliminer cet alien-ci. On passe à 5, et je vais de nouveau essayer. Donc j'exhauste une carte. C'est un 2. Voilà, ça, c'est très bien ça. Euh, on passe à 4 et je vais quand même réessayer. Malgré que je sois à 4, je vais quand même réessayer. Avec un peu de chance. C'est un 3. Et eh bien voilà. Donc ici, X a très bien réussi son coup. Et ceci, je dois passer à 3. Bien. Ça, c'est très bien. Par contre, X va quand même activer Gorman. Et Gorman, la seule chose qu'il va faire, c'est ceci. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Il faut quand même récupérer des cartes parce qu'on en a déjà plus beaucoup dans le deck d'endurance. C'est Hudson à jouer. Hudson se trouve donc ici. C'est à Hudson à jouer. Ripley va se faire attaquer si je n'y prends pas gaffe. Ripley va se faire attaquer si j'y prends pas gaffe. Donc ce que je vais faire, je vais, avec Hudson, j'aurais dû activer Frost avant. J'aurais dû activer Frost pour le retirer de la ligne de vue et je n'ai pas pensé à le faire. je me suis dépêché d'activer Newt. J'aurais pas dû. Allez, on active Hudson donc. Le aim c'est bon. On activation, je peux recycler des cartes. Je crois que je vais recycler des cartes quand même. Je pense que je vais recycler. Ouais, je pourrais éventuellement après utiliser ça en fait. Non, je ne vais pas recycler de cartes pour l'instant. On Activation, donc ça je viens de le passer. Équiper des cartes d'endurance, non, deux actions bien entendu. Donc ma première action va être de me déplacer ici et je vais attaquer. Je peux viser ces deux-là, les deux du dessus, je peux les viser. Je peux les viser pourquoi Parce que si je prends du coin jusqu'au coin, je sais passer d'après moi sans passer par Frost l'impression donc je vais commencer par attaquer l'alien qui se trouve au-dessus donc c'est un 6 moins c'est un 4 donc il est éliminé ça deviendra un 5 moins forcément je vais continuer c'est un 1 alors le jeu est très beau mais par moments il manque quand même un petit peu de, de pratique Je vais continuer. C'est un 5, malheureusement, j'échoue. Ça s'arrête ici. Vous avez remarqué ici que j'ai oublié le hand-off activation, mais ne vous inquiétez pas, j'y reviens plus tard, donc ça c'est une chose qui est d'ores et déjà réglée. Et vous avez également remarqué que j'ai oublié de baisser le M-dial, mais de toute façon ça ne changera absolument rien parce que Hudson ne va pas avoir de tir réflexe, donc il n'y a pas d'alien qui va venir à proximité, et donc le M-dial ici ne servira plus jusqu'à la réactivation de Hudson, où on va simplement le réinitialiser à sa valeur initiale. Et donc, c'est un petit oubli qui ne changera absolument rien à la suite de la partie. Je vais activer Frost. Frost va se déplacer, il peut se déplacer de 4. Donc, son aim est bon, il n'y a rien d'autre. 1, 2, 3, 4. Il se déplace de 4 et il va recycler 1, 2, 3 cartes. J'avais presque oublié le end of activation que je devais faire avant d'activer Frost. Donc je peux garder la carte dans ma main ici. Ok. On passe à replay. Donc ici on remet ceci à 7. On remet ceci à 7. On va recycler deux cartes. Et on va en piocher une. Alors je ne sais pas pourquoi continuer à piocher les cartes. Si je pouvais, je m'en passerais. Voilà. Ça, c'était le On Activation. Équiper les cartes d'endurance. Non, deux actions, bien entendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je crois que je vais utiliser ma carte d'événement ici. Donc la carte d'événement, c'est Keep Moving Baby. Elle me coûte 3. 1, 2, 3. Et tous les personnages peuvent bouger jusqu'à 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et je vais faire 1, 2. Alors pourquoi est-ce que je fais ça Simplement parce que les aliens peuvent se déplacer de 6. Donc ici, ils n'arriveront pas à me toucher. Ok, donc ça c'est bon. Voilà, encore une petite, toute petite distraction. J'ai simplement remis ici, vous l'aurez remarqué, les cartes dans la pile de recyclage et pas dans la pile d'exhaust. Ce qui, vous en doutez, vous avez compris, le principe du jeu change quand même pas mal de choses. Eh bien, je pense que tout le monde a joué. Je pense que tout le monde a joué. Donc face des aliens, face des aliens, on va donc activer tous les aliens. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui va venir à côté, forcément. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va venir ici. On active les blips, il n'y en a pas. Et on va tirer les fameuses cartes et les joyeuses cartes. Alors 7 en 1. 7 en 1. Hop. On va prendre celui-ci. 7 en 2. Super. Ça va encore, franchement ça va encore, et en plus de ça, il faut révéler une carte. Il faut révéler une carte, et d'après ce que la carte va nous donner, c'est une arme, on me dit qu'en point 2, je dois placer un petit. Oh. Toi, viens ici, toi je t'ai vu, un petit spawn, c'est pas facile du tout. Franchement, ne pas les regarder. Voilà, je vais prendre celui-ci, j'étais bien en dessous, c'est un 2. C'est un 2 donc au point 2. C'est un 2 au point 2, donc ceci et ceci. Ça c'était la première, donc ça c'est Vasquez. Alors, ici, un au point 3. Celui-là, je le retire parce que je l'ai vu. Alors, ici, celui-là. C'est un 3. C'est un 3. Ah, je ne devais pas le regarder. On recommence. Je ne devais pas le regarder. Celui-là, je le retire. Je l'ai vu. Celui-là. Et en plus de ça, on me dit que soit je discarde une barricade, soit je place un second blip au point 1. Soit je place un second blip au point 1, je vais prendre celui-là tout en dessous, celui-ci, c'est un 1, donc que je dois placer au point 1. Étant donné que je n'ai plus de barricade, et eh bien je n'ai pas trop le choix. Euh, Qu'est-ce que je fais Non, c'est pas ça que je dois faire, c'est ça ici. Alors, au point 4, il va y en avoir un, et de nouveau, on va devoir regarder ce qui va se passer. Alors je vais aller chercher en dessous ici celui-là. C'est un 1. Oups. Alors. En plus de ça, je dois révéler une carte. C'est de l'équipement. Donc l'équipement ne rentre pas. Il n'y aura pas de deuxième alien qui va spawner. Et alors celle-ci, ça a l'air d'être bien beau. C'est replay. On me dit que je dois placer. Un tunnel qui est dans la ligne de vue et à côté du personnage. Donc, voilà, je vais le placer ici. Je dois révéler une carte. C'est un équipement, je dois placer trois blips à ce tunnel-là. Alors, c'est un 3. Donc lui, il ira sur le tunnel. C'est un 3. Lui, je l'ai vu, donc je ne le mets pas. C'est un 2 qui va aller ici. Et c'est un 3 qui va aller ici. Alors, c'est un 3, ça veut dire qu'on va faire ceci. Il y a dans les règles la possibilité de se retrouver sans avoir assez de blips. J'aimerais quand même bien savoir comment, parce que celui qui se retrouve sur un plateau rempli de blips, je ne sais même pas comment est-ce qu'il pourrait espérer survivre. Comme je vous disais, c'est très bien, mais c'est assez euh, délicat. C'est assez délicat parce que vous voyez qu'il faut vraiment faire attention de ne pas faire tomber les figurines, etc., 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 voilà. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je pense que peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, malheureusement, je n'y arriverai pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Même replay qui peut aller un petit peu plus loin. Donc, ce que je vais faire, je vais vraiment tasser tout le monde dans le fond pour le tour numéro 6. S'il y a des aliens qui doivent spawner ici, eh bien, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La limite, elle est ici. Donc, tous ces Aliens-ci ne dépasseront pas cette ligne-ci. Donc, si moi, je me mets après, il n'y a absolument aucun problème. Donc, je peux me mettre sur la même ligne que Vasquez. À la limite, je peux commencer à en défroyer. Le tour 6, ça va être uniquement ça. Ça va être uniquement recycler des cartes. Peut-être défroyer un petit peu avec Vasquez. Et comme ça, le tour numéro 7, on peut sortir tout le monde. Et le tour numéro 7 sera très court parce qu'on va simplement prendre ses actions pour pouvoir sortir de la carte. Donc, ici, c'est terminé. On a Tirez les cartes de Motion Tracker, on passe au tour 6. Et vous doutez qu'ici, le tour 6, ça va être le tout dernier tour. Et ma foi, je pense qu'il est vraiment temps que ce tour-ci soit le dernier tour. Enfin, le tout dernier tour, non, il y aura le tour 7. Mais je vous dis, le tour 7, ça va juste être sortir toutes les figurines du plateau de jeu. Et je pense que même ici, X va rester ici. Parce que de toute façon, il peut se déplacer de 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5 à l'aise, il est dehors. C'est vraiment ces figurines-ci qui doivent venir se mettre sur cette ligne-là. Voilà, on va commencer le tour donc numéro 6 tout de suite. Tour numéro 6, tour numéro 6. C'est donc toujours X qui va déterminer et qui commencera en premier. Je pense que ce que je vais faire ici, c'est... C'est éventuellement commencer avec Hudson. Si j'ai un petit peu de chance, je peux l'éliminer lui et je peux embrayer sur celui-là. Lui il en a deux, je peux compléter avec Gorman, éventuellement. Comme ça, ça me retire ces deux-là de l'équation. Comme je disais, une, 2, 3, 4, 5, 6. Pour être sûr, ils n'iront pas plus loin que ça. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ils n'iront pas plus loin que cette ligne-là. Donc moi tant que je tiens ce tour-ci, après de toute manière, le tour 7, tout le monde s'échappe et puis c'est bon. Par contre, ce que je dois faire, c'est essayer d'éliminer le plus possible de figurines. Pourquoi Parce qu'il me faut des figurines absolument. Il m'en reste en tout et pour tout 2, 4, 6, des figurines d'aliens. Et il ne faudrait pas que je tombe à court. Il ne faudrait pas que je tombe à court, donc. Par contre, ce que je vais faire ici, Newt, je vais la dégager le plus rapidement possible. Je crois que je vais commencer ici avec X. De toute façon, charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Je vais commencer avec X. Il ne me reste plus beaucoup de cartes. Mais bon, j'ai encore pas mal de cartes ici. Après, de toute manière, à recycler, il me reste pas mal de cartes, donc je crois que ce que je vais faire, ouais, c'est commencer donc avec X. Ici, on le met à 7. On activation, je peux tirer une carte, je ne le ferai pas et donc directement, je vais utiliser ma M41 pour tenter d'éliminer les aliens qui se trouvent ici. Sur un malentendu, ça devrait passer. Donc premier tir, je tire sur l'alien qui se trouve ici. C'est un 7 moins, c'est un 4, donc c'est nickel. Hop. Ce sera 6 moins, donc. Deuxième carte, je vais de nouveau tirer sur cet alien ci. C'est un 5. Donc c'est nickel. Hops. Et troisième carte, je vais tirer sur cet alien ci. C'est un 2, donc c'est nickel. Bien, ça c'était ma première action. C'était ma première action. Et ma deuxième action, je vais venir me placer ici. Une, deux, trois, quatre. Je vais venir me placer ici. Donc ça c'est X qui est déjà près de la sortie et qui va activer maintenant Gorman. Il n'a pas de end of activation, donc il va activer Gorman et Gorman va tenter aussi une, deux. 1 2 3. Il va venir se mettre ici et il va recycler des cartes. 1 2 3. X va utiliser ici sa carte de last stand pour trois cartes. 1 2 et 3. Je peux barricader une porte. En fait, ici maintenant, il y a des blips qui peuvent spawner en 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même s'ils venaient à bouger de leur maximum, ils n'atteindraient pas la porte. Donc, le 4 ici, je peux l'ignorer complètement. Ça, c'est très bien. Voilà, X a terminé son tour. Donc, il va passer ici à Hudson. Hudson se trouve ici. Donc, je vais le rapatrier également. Je vais le rapatrier, euh, je vais le rapatrier pas trop loin. Je vais faire ceci. Une, deux, trois. Une, deux, trois, non. Je vais d'abord attaquer. Je vais d'abord attaquer, essayer d'éliminer un alien ou deux. Donc la première chose que je vais faire ici, c'est remettre chaque chose en son temps, remettre le aim tracker à 6. On Activation, je peux recycler des cartes de ma main. Je crois que je vais recycler des cartes. Je pense que je vais le faire. Euh, je pense que je vais le faire. Non. Si je vais recycler ceci, elle ne me servira plus comme ça. Ça fait une carte en plus en jeu. Je vais recycler ceci. Bien. Équiper des cartes d'endurance, toujours pas deux actions bien entendu donc la première action ça va être quoi la première action ça va être d'attaquer je vais attaquer ici il y a deux aliens je vais attaquer celui-ci première carte je lance un dé je dois faire 1 6 7 1 2 donc ça c'est bon non 7 1 2 donc c'est bon deuxième carte C'est un 4, donc j'avais oublié de le descendre ici, 5, 4, c'est un 4, c'est bon, donc ça ici, ops, on peut le retirer. Ça c'est ma première action, j'arrête ici, c'est ma première action et c'était de quoi récupérer quelques figurines. Deuxième action, je vais me déplacer, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je vais me déplacer ici. Et donc Hudson a terminé son tour. Donc Hudson, X ainsi que Gorman ont déjà joué. Ne pas oublier qu'il y a toujours ici le Hund of Activation. Relever une carte. C'est un événement. <laughs> cet cet événement-ci est pas mal. Donc ça me coûte zéro et en fait je me fais sauter. Vous avez toujours été un Gorman. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le film, mais c'est Vasquez qui détonne une grenade, une M40, qui détonne une grenade. Elle est dans les bras de Gorman. Et donc... Euh on peut faire exactement la même chose ici. On se fait sauter et on fait sauter tout ce qui est autour de nous. Donc ici, il a définitivement fini de jouer. La seule chose qu'il peut faire, c'est activer maintenant un grunt. Et il va le faire. Il va activer ici Frost 1, 2, 3, 4. Et je me rends compte ici que j'ai oublié, de... de toute façon ça ne changera rien, mais j'ai oublié de remettre la petite roulette. La partie commence à être longue et il commence à y avoir quelques petites erreurs. Donc ça a été fait. Donc voilà, Frost 4. Euh, 5, 6, 7. Frost est sorti On a fini avec lui. On passe à replay. Replay comme d'habitude. 7, c'est bon. On activation, je peux recycler deux cartes. Je peux recycler deux cartes et je peux ici tirer une carte. Donc c'est de nouveau une arme. De toute manière, je ne les utiliserai pas. Je vais utiliser ici directement Go to Sleep and Don't Dream. Qui est une carte d'événement qui me permet quoi Qui me permet de recycler six cartes qui viendraient d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux en recycler une qui viendrait d'ici. Mais euh, je crois que je vais... Oui, je vais recycler une carte d'ici. Je vais recycler le... Je vais recycler le... Celui-ci, le Arc Welder. Oups et je peux tirer deux cartes. Tirer deux cartes, je ne le ferai pas. Ça c'est le blip que j'avais regardé. Je peux le remettre. Il s'est fait discret. Il croyait qu'on allait l'oublier. Donc maintenant, je vais devoir faire mes deux actions. Je vais me déplacer de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je vais venir jusqu'ici. Pas... Oh, ici, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin. End of Activation, il n'y a pas. Activer les grunts, il n'y a pas. Et on passe directement à Vasquez. Vasquez, on va remettre ici son petit dial à 8. On va remettre son dial à 8. Et on va attaquer. Donc deux cartes. Pour commencer, on lance 2 dés. C'est 8 moins. Alors 6 et 1, donc ça fait on passe à 7 ici on retire ceci Hop. une carte oh j'ai oublié le on activation j'ai oublié le on activation je vais le faire maintenant bon, on ne voudrait pas c'est une arme donc ça veut dire que je peux augmenter d'un j'ai oublié comme je dis la partie commence à être longue donc c'est 8 moins, donc ici on fait ceci. On passe à 7. C'est bon. Hop Vous l'aurez donc tous remarqué ici pour le dernier tir que j'ai fait, j'ai simplement oublié d'exhauster une carte. Euh non, le dernier ici je ne vais pas. Je ne vais pas le faire. Bien Vasquez a utilisé ces deux actions. end of activation, non. Activer les Grunts, oui. Oui, je vais activer quoi comme grunt Je vais activer le petit grunt qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme grunt, en fait, ça me rappelle mon... <laughs> ma petite grunt à moi, ma petite grunt personnelle. Ma fille est encore beaucoup plus jeune, mais je trouve qu'elle a des airs. Voilà, tout le monde a été activé. Eh bien, on va finir ici simplement le tour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va d'abord activer les aliens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, trop court. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Donc le but c'était vraiment ça, c'était qu'ils ne puissent pas me rattraper. Donc fuir le plus loin possible. Je m'en fous de les éliminer ou pas, de toute façon au tour numéro 7 ici, je vais simplement les fuir. Alors je vais activer les blips. Je vais lancer ici. un 1 pas de bol pour lui. Voilà. Je vais ensuite tirer des cartes de motion tracker. Alors en 4, il va y avoir deux blips. On va prendre des blips. Forcément, du coup, on ne va pas les révéler. Voilà, et en plus de ça, on doit exhauster 4 cartes ou placer un blip au point numéro 2. 1, 2, 3, 4. Allons-y gaiement. Ensuite, carte de Motion Tracker de nouveau au point 4. Ils arrivent, 21 ben, tiens, ils arrivent. On doit déplacer 1 2, 3, 4. On doit 1, 2, 3, 4. On doit donc déplacer tous les blips de 4 vers le. 1, 2, 3, 4. Vers le marine, c'est le plus proche. 1, 2, 3, 4. Next. C'est au point 1. Donc on va prendre ici celui-là. Celui-là, je l'ai vu. Hop, c'est un 1. Donc on le met ici. Voilà. De toute manière, lui, il n'arrivera jamais jusque chez moi. Et on doit révéler une carte. C'est ceci, c'est au point 2. Donc il va y avoir une, euh, un alien au point 2. Donc on va prendre celui-là, je l'ai vu. On prend un blip, quel qu'il soit. Celui-là, tout dans le fond, c'est un 1. Donc il n'y a pas de problème. Je vais mettre tout de suite la figurine. Donc je vous rappelle, ici ils apparaissent ils ne bougent pas ils n'attaquent pas. C'est pour ça que j'en ai un petit peu rien à faire. En gros. Ça par contre. Ils sont partout. Et on doit placer 3 blips sur chaque tunnel et sur chaque point de spawn. On doit placer 3 blips. Alors, ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je préfère l'avoir maintenant, cette carte-là. 1, 2, 3. Cela, il faudra les retourner, il faudra les révéler. Ceci aussi, ben, je vais le faire tout de suite. Alors, on a quoi ici On a 2, on a 1 et on a 5. Ils sont partout, je veux bien croire qu'ils sont partout. 5. 5, pardon. Ah bah ben 2, c'est bien ici. Donc 2, 1. 5 alors on va en mettre 3 ici donc 2 1 2 Ici, si vous avez remarqué, ce sont des aliens qui sont cassés. La queue s'est cassée, c'est décollé. Il faut que je les recolle. En fait, c'est pas plus mal parce que j'arrive à les mettre sans trop de problèmes. 2-1-2, deux, deux, et il reste encore un point ici sur lequel je dois mettre 3 blips. Donc c'est un 4, c'est un 1 et c'est un 1. Alors j'ai un 1 et un 1. Et je dois mettre un 4. Alors, ici, ils ont prévu le coup au cas où on tomberait à court de blip. Le problème, c'est que je tombe à court de figurine. Ici, normalement, je devrais mettre une figurine. Ce que je vais faire, je vais simplement rajouter un petit token. Pour indiquer qu'il y a une figurine en plus, ça ne change rien. Le compte y est. De toute manière, ici, on a terminé le tour numéro 6, on va passer au tour numéro 7. Et vous vous doutez que le tour numéro 7, ça va juste être le tour final. Ça va être un tour très rapide. Je vais vous le passer excessivement rapidement. De toute manière. Là, tout le monde est en bonne posture que pour pouvoir s'échapper. On va donc terminer la partie. Bien, c'est X qui va commencer. Pourquoi Parce que X se trouve ici. On va faire ceci. Set on activation, je peux tirer une carte, je ne vais pas tirer une carte. Équiper les cartes d'endurance, je ne vois pas pourquoi je le ferai. Deux actions. Hop, il quitte le plateau de jeu, tout simplement. Donc X a quitté son plateau de jeu. Et Ici si c'était Frost qui avait déjà quitté le plateau de jeu. Il peut activer deux grunts. Il va activer Gorman. Gorman va quitter le plateau de jeu. Il va activer Newt. Newt va quitter le plateau de jeu. Et on passe le token d'activation. On le passe à qui On le passe à Hudson. 1, 2, 3, 4, 5. Donc Hudson on activation. Je peux recycler des cartes ou je ne le ferai pas. Je ne vois pas l'intérêt. Équiper des cartes d'endurance, non. Deux actions, bien entendu. Donc Hudson est ici. 1, 2, 3, 4, 5. Hudson a quitté. End of activation. Je suis obligé de le faire. C'est un event. Enfin, je suis obligé de le faire. Je ne sais pas parce que techniquement, j'ai quitté le plateau. Donc techniquement, j'ai fini. Bref, on va quand même le faire parce qu'ils disent de le faire. Je n'ai pas fini ma phase. Activer les grunts. Est-ce que j'ai encore des grunts à activer Bien sûr que non. Je n'ai plus de grunts à activer. Donc ici, on va passer directement à. Replay, j'avais même oublié de mettre le aim. C'est la fin de la partie, hein. de toute manière. Voilà, ça change rien. Vous avez compris que ça change absolument rien. Le aim, c'est bon. On activation, je peux recycler deux cartes. Ops, et je dois en piocher une. C'est un event. Alors, en fait, cette carte-là est vraiment bien parce que pour deux cartes, en fait, je peux retirer une, euh, une carte comme on a eu tantôt, une carte de hasard. Je l'aurais eu plus tôt, ça aurait été pas mal. Bref. Donc ça c'était On Activation. Je vais prendre mon tour. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà qui est fait. End of Activation, il n'y a pas. Activer les grunts, il n'y a pas. Et on passe le token. On va le passer à Vasquez. Oups. Alors, Vasquez. On Activation. C'est un événement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois recycler une carte et tirer une carte. Ouf. En fait, ici, je dois placer cette carte-ci. On me dit que, à chaque fois que je vais l'activer, je vais devoir exhauster deux cartes. Si je n'ai pas attaqué d'alien à la fin de mon tour, alors je dois discarder trois cartes. Et j'ai moins un sur, tout les... sur toutes les attaques. De toute manière, ça ne changera absolument rien. Pourquoi Parce que vous vous doutez que ici la partie est gagnée. Petite chose que je tiens quand même à dire, c'est ici, comme je vous disais, moi j'ai rajouté un token parce qu'ils ont prévu le fait qu'il n'y ait pas assez de blips, mais ils n'ont pas prévu le fait qu'il n'y ait pas assez d'aliens. Moi j'ai laissé courir, vous avez vu que je calculais toujours euh, en me reculant pour éviter que les aliens puissent me rattraper. Parce que c'était pas vraiment la peine de commencer à les combattre. C'était pas vraiment la peine à avoir à gérer des cartes et risquer justement de tomber à court de cartes. Donc je préférais, j'ai préféré faire ça. Et ici, comme vous avez vu, je me suis retrouvé à court d'aliens. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté un petit token à la place de la figurine. Il ne prévoit rien dans les règles à propos de ça. Éventuellement, pourquoi pas acheter une deuxième boîte d'aliens Voilà, pourquoi pas. Comme ça, ça fait un petit peu plus éventuellement d'aliens sur le plateau. Malheureusement, forcément, ils n'arriveront pas en étant assemblés. Mais, bah, comme je vous dis, ils ont tendance à tous perdre le indice donc ça, c'est assez embêtant de ce côté-là. Bon, un petit point de colle et c'est réglé, mais soit. Faut dire quand même que le la section par laquelle on vient coller la queue de l'alien, du xénomorphe, est vraiment ridiculement petite. Comme vous avez vu, si j'avais encore dû laisser traîner les choses plus longtemps, ça n'aurait absolument pas été, parce que vous vous rendez bien compte qu'avec ça sur le plateau, c'est pas possible. Si j'avais dû tenir plus longtemps, j'aurais dû gérer convenablement les aliens, et j'aurais dû continuer à les éliminer le plus possible. Mettons, avec Vasquez et sa smart gun, ça passe. Le problème, c'est que c'est deux cartes pour commencer. Un avantage quand même, c'est que si la smart gun est chez quelqu'un d'autre, c'est trois cartes. Donc, il faut pas oublier que elle, on se rappelle d'elle dans le film, elle fusionne complètement avec. Eh bien, voilà. Donc, nous avons ici réussi la partie. Nous avons terminé la partie. Nous avons réussi à faire sortir tout le monde vivant. Ça se passe pas tout le temps comme ça, je vous assure. J'ai recommencé pas mal de parties, euh, j'ai filmé pas mal de parties, et il y a pas mal de parties que je n'ai pas su exploiter parce que je suis jamais arrivé à la fin. En fait, ça dépend de quoi Ça dépend beaucoup de la chance. Ça dépend beaucoup forcément de vos cartes, des cartes que vous allez tirer ici. Est-ce que les barricades vont tenir le coup ou pas Est-ce que vous avez fait des barricades euh, Les cartes que vous allez tirer. Par exemple ici, j'ai pas eu beaucoup de cartes de hasard. J'en ai pas eu beaucoup. J'ai des parties où euh, un personnage peut se retrouver avec trois ou quatre cartes de hasard. Donc ça c'est assez embêtant, c'est assez borderline. Quoi qu'il en soit, le jeu est vraiment excellent. Le jeu n'est pas facile, le jeu est difficile, mais le jeu est vraiment excellent et je vous le conseille vraiment beaucoup. J'espère que vous avez aimé la partie, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à la regarder que ce que j'ai eu de plaisir à la préparer, à la tourner, à la monter et enfin à l'uploader sur Youtube. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas. Un petit pouce, un petit commentaire. Prenez deux secondes. Pour liker, simplement, prenez deux secondes. Pour mettre un petit commentaire. Est-ce que vous avez eu le jeu? Est-ce que vous aimez le jeu? Est-ce que vous y jouez? Est-ce que vous avez déjà réussi les missions? Quelle mission? Bref. N'hésitez pas à venir dialoguer, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas non plus à aller du côté de la page Facebook. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner. Au plus on est de fou, au plus on rit, n'hésitez pas à vous abonner ici, n'hésitez pas à vous abonner du côté de Facebook. Moi en tout cas, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Il me reste à vous souhaiter de très belles parties, pourquoi pas à Aliens. Il me reste à vous souhaiter de très beaux jets de dés et vous vous en doutez, on en a dans Aliens, et il me reste à vous souhaiter que l'on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir